Je dis, vous croyez comme je crois que quelque chose doit vous arriver ce soir. Vous n'allez pas échapper à cette chose-là. Cela vient à moi. Je dis, cela vient à moi. La puissance du Dieu Tout-Puissant va œuvrer dans votre vie. Où êtes-vous là? Père, au nom de Jésus, je prie pour tout frère, je prie pour toutes sœurs, tous les garçons, toutes les filles, tous les invités, tout le monde ici présent. Je prie ce soir que ce sera un moment de ta puissance dans toute la vie. Au nom de Jésus, touche tout le monde, transforme toute la vie. Fais quelque chose d'inoubliable dans toute la vie ce soir au nom de Jésus. Ce que tout le monde dans ce lieu expérimente, la puissance du Dieu Tout-Puissant. Confirme-le, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Comme je vous l'ai dit auparavant, je vous le dis encore, qu'il y aurait toujours un amen dans votre vie. Ce soir, nous venons ensemble pour quelque chose de spécial, quelque chose de spectaculaire et quelque chose d'inoubliable. Parce que, comme vous êtes venus, vous voulez découvrir que voici le moment, voici le temps, voici le jour que la puissance de Dieu va être manifestée dans ta vie. Toutes les montagnes seront enroulées. Tous les défis seront résolus. Et toutes ces choses mauvaises dans votre vie, vous voulez aller de ce côté, les gens vous empêchent. Ce soir, tout sera balayé de devant vos noms de Jésus. Vous allez vaincre. Moi, je vaincrai. Je dis, moi, je vaincrai. Vous allez vaincre et vous allez être des conquérants au nom de Jésus. Ce soir, quand nous venons ensemble, en ce moment de sa puissance. Je parle ce soir de vivre par la puissance du Dieu Tout-Puissant. Vivre par la puissance du Dieu Tout-Puissant. Marcher dans la puissance du Dieu Tout-Puissant. Œuvrer dans la puissance du Dieu Tout-Puissant. Progresser dans la Je vous rappelle de l'éternité passée, des jours passés, jusqu'à l'éternité dans le futur et jusqu'à la vie éternelle sans fin, le Seigneur est toujours tout-puissant. Il s'est introduit lui-même comme le Dieu tout-puissant, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de limite à sa puissance. Lorsqu'il dit tout-puissant, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite à sa puissance. Il est le tout-puissant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite à sa force. Il y a quelque chose que vous voulez avoir, que vous ne pouvez pas transporter. Le Seigneur est tout puissant et sa force n'a pas de limite. Il va emporter ces choses que vous n'avez pas la force d'emporter. Il n'y a pas de limite pour sa force. Il a la force. Et il va également vous supporter. Il sera à vos côtés et vous êtes fort ce soir. Que le faible dise... Vous êtes fort et la force commence maintenant avec vous. Dans votre âme, dans votre pensée, il n'y a pas de limite à sa domination. Il y a l'autorité dans son nom. Il y a la souveraineté avec lui. Il n'y a pas de limite à sa capacité. Il n'y a pas de limitation à son autorité. Il n'y a pas de limitation à son omnipotence. Ça, c'est ce qu'il fait. Dans sa toute puissance, il nous donne la puissance, la force dont nous avons besoin pour vivre. De Genèse à l'Apocalypse, Dieu s'est révélé comme le Tout-Puissant. Il s'est révélé à son peuple comme le Tout-Puissant. Regardez Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, le verset 1. 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit : Je suis le Dieu Tout-Puissant. Voyez-vous cela, cette introduction ? Dieu vient à Abraham. Que Dieu vous parle ce soir. Il vous vient ce soir et il dit : Quel est votre problème ? Quelle est votre montagne?
quel est votre défi, quel est le chemin qui est bloqué, quel est l'empêchement qui est là. Il s'introduit à vous ce soir. Je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Tous les empêchements sont enlevés de votre voie. Nous considérons Job, chapitre 8. Job 8. Les versets que nous lisons là, c'est des versets qui sont accomplis dans votre vie. Toutes les promesses mentionnées cette nuit, vous allez les avoir. Toutes les puissances révélées ce soir vont œuvrer pour vous au nom de Jésus. Regardez Job chapitre 8, le verset 5. Job chapitre 8 et le verset 5. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, Job 8, j'allais dire, le verset 5, il dit que, mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu l'implores, le Tout-Puissant, voyez, vous n'avez pas d'autre solution que d'invoquer le Seigneur. Si vous le faites, il va exaucer vos prières. Il dit, si tu es juste et droit, certainement, certainement, alors il veillera sur toi. Certainement, quelqu'un a dit là-bas, certainement. Dites-le, certainement. Il se réveillera, il verra sur toi, il rendra le bonheur à ton innocence demeure, ton innocente demeure. La prospérité est venue, votre dette sera payée, vos besoins seront pourvus. Vous êtes venu au Créateur du ciel et de la terre, et tous ces défis de votre vie, de la famille, les défis de pénurie, toutes ces choses, la puissance de Dieu va les emporter. Regardez le verset 10, le verset 7, le verset 7. Soulignez ceci dans votre Bible, soulignez ça dans votre Bible. Il faut garder cela dans votre cœur. Et à tout moment, comprenez que ceci sera votre expérience. À partir de maintenant, pour sa puissance, dit, ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Ceci-là, je dois rendre ceci personnel. Bien que mon ancienne prospérité semble peu de choses, celle qui m'est réservée sera bien plus grande. Quelqu'un là-bas, vous pensez que vous êtes petit, que vous êtes insignifiant, que vous êtes un rien, vous allez devenir quelqu'un. Vous pensez que personne ne vous connaît, le ciel vous connaît, et les gens de cette terre vont vous connaître bientôt. Regardez le verset 7, il dit... Ton ancienne, il dit, mon ancienne prospérité, je le dis pour moi-même, hein? Mon ancienne prospérité semblerait peu de choses. Celle qui m'est réservée sera bien plus grande. Amen. Cet amen, c'est pour votre vie. Cela veut dire que ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il, que la bénédiction descend sur votre vie. Que la gloire descend sur votre vie. Psaume 191. Psaume 191, verset 1. Celui qui habite sous l'arbre du Très-Haut, est-ce qu'il est là ce soir? Je demande, est-elle là ce soir? Celui qui demeure sous l'arbre du Très-Haut, il repose à l'homme du Tout-Puissant. Il repose à l'ombre du... Vous êtes sous la demeure du Très-Haut. Satan ne va pas vous troubler sous l'ombre de Dieu. Les mauvais esprits ne peuvent pas vous troubler là. Cette puissance ne peut pas vous troubler là. Et je dirai, ça c'est lui qui le dit. Il le dit, le fait, il rend ceci personnel. Il dit que ce n'est pas seulement celui-là qui demeure. Il dit que c'est moi qui demeure. Je dis, c'est moi qui demeure. Je dis de l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, en qui je me confie, car, dites-moi ça, car, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Vous êtes libre. Comme nous venons à Dieu, nous comprenons que le moment où nous venons à Dieu, c'est le moment où la puissance de Dieu commence dans notre vie. La puissance de Dieu, numéro un, va œuvrer pour nous et va œuvrer pour vous. La puissance de Dieu, ce sera avec nous et ce sera avec vous. La puissance de Dieu, la force de Dieu sera en nous et sera en vous. Ce soir, c'est cette nuit. Je dis cette nuit, c'est pour vous.
Vous allez recevoir quelque chose ce soir. La puissance du Dieu Tout-Puissant va œuvrer dans votre vie au nom de Jésus. Nous considérons trois choses avant de prier. Cette nuit, nous allons prier sérieusement. Et toute prière que vous allez prier, tout ce qui viendra de votre bouche, sortira de votre bouche, sera accompli au nom de Jésus. Numéro 1, comprendre, percevoir et sentir et savoir que ceci c'est pour moi. Comprendre la grâce magnifique du Dieu Tout-Puissant ou la grâce abondante du Dieu Tout-Puissant. Numéro 2, ce numéro 2 là, ce sera accompli dans ma vie. Je dis, le numéro 2 sera accompli dans ma vie. Ça, c'est quoi le numéro 2? Conquérir les géants puissants à travers le Tout-Puissant. Tous géants de votre vie sont conquis ce soir. Toute puissance contre vos vies ce soir sont conquises. Conquérir les géants puissants à travers le Tout-Puissant. Numéro 3, il y a une confirmation. Avant de sortir de ce lieu ce soir, il y aura une confirmation. Dans votre cœur, une confirmation. Dans votre corps, une confirmation. Dans votre famille, une confirmation. Dans votre corps, une confirmation. Dans votre famille, une confirmation. Et tous ces rapports médicaux, j'ai reçu ceci, ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Oh, qu'attends ceci. Le Dieu Tout-Puissant est là ce soir et il dit qu'il peut, il va faire toutes choses bonnes pour vous au nom de Jésus. Point numéro 3, confirmer le don, les dons sans mesure du Dieu Tout-Puissant. Confirmer les dons sans mesure du Dieu Tout-Puissant. Point numéro 1, comprendre les abondantes grâces du Dieu Tout-Puissant. Alors, nous verrons dans 1 Pierre, le chapitre 4, 1 Pierre 4, le verset 10. 1 Pierre 4, le verset 10. Vous allez dire, il va dire que 1 Pierre, que la grâce de Dieu, ce n'est pas seulement je suis c'est malade, il y a plus que cela. 1 Pierre 4, verset 10. 1 Pierre 4, 10 nous dit, comme de bonnes dispensateurs des diverses grâces. Je dis, tout le monde va recevoir de diverses grâces. Il dit, de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service les dons ou les autres, sa vie des autres, le don qu'il a reçu. J'ai reçu un don. Regardez ceci. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Regardez ce que nous cherchons, diverses grâces de Dieu. Comprenez que nous parlons du Dieu Tout-Puissant. Il est tellement puissant qu'il ne peut pas échouer. Il est tellement puissant qu'il n'y a pas quelque chose d'impossible pour lui. Et il dit qu'il vient à nous au travers de diverses grâces. Regarde ce qu'il a dit à propos de la grâce de Dieu, afin que vous compreniez ce dont nous parlons et comment est-ce que vous aussi vous êtes inclus. Il va résoudre vos problèmes. Il va enlever, emporter vos tristesses. Romains 5, 17, nous recherchons les diverses grâces de Dieu, les abondantes grâces de Dieu, les grâces avec beaucoup. Chapitre 5, le verset 17 de Romains 5, 17, il dit, si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent quelle sorte de grâce, je demande quelle sorte de grâce. Vous voyez, des fois, on distribue quelque chose et vous venez, on vous donne un peu et on mesure cela. Et on vous amène cela et on recherche quelque chose, on dit que tout le monde, si on vous donne trop, ça ne peut pas suffire à tout le monde. Mais la grâce de Dieu est tellement abondante, tellement diverse, que toute grâce dont vous avez besoin ce soir vous est disponible. Parce qu'il dit, à travers l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils? Les gens ne vont pas vous régner dessus vous. C'est vous qui allez régner au-dessus d'eux.
tous ces problèmes qui paraissent insurmontables, la grâce abondante de Dieu vous parviendra ce soir et vous allez régner sur chacun de ces problèmes au travers du Seigneur Jésus-Christ lui seul. Quelqu'un n'a qu'à crier là-bas, grâce abondante. Qu'est-ce que vous allez avoir ce soir? Qu'est-ce qui vous parvient ce soir? Quelle que soit la longueur de votre distance dans le négatif, la grâce de Dieu est plus grande que ça et cela va vous dépasser. Cela va vous ramener. Vous allez expérimenter l'amour de Dieu ce soir, le pardon de Dieu ce soir, la liberté de Dieu ce soir et la provision de Dieu ce soir pour vous, pour tout ce dont vous avez besoin au nom de Jésus. 1 Timothée 1, verset 14. La Bible dit au verset 14, 1 Timothée 1, 14, ce qui suit, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. En Romains, nous avons appris que c'est l'abondance. Ici, dit, l'apôtre dit ici, et la grâce de notre Seigneur, il est allé au-delà, il est allé plus profondément dans la connaissance du Seigneur. Il a dit que c'est quelque chose de terrible qu'il a fait. Et il dit que ce n'est pas seulement que la grâce de Dieu est venue pour me sauver, pas seulement que la grâce est venue abondamment pour me sauver, il dit la grâce du Seigneur a surabondé. Avez-vous besoin de ça ce soir? Cela va venir. Comprenez ce soir que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais j'ai été très mauvais, mais la grâce de Dieu te couvre. J'ai été terrible, hein, mais la grâce de Dieu te couvre. J'ai fait quelque chose que je ne peux même pas dire à quelqu'un, parce que si je leur dis ça, ils vont me lapider à mort. La grâce de Dieu vous couvre ce soir. La grâce me couvre. La grâce me couvre. Le salut vient, la grâce vous l'apportera au nom de Jésus. Verset 14, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Cela va vous arriver. La grâce du Dieu Tout-Puissant nous amène la repentance. La grâce, c'est quoi? C'est ce qui vous attire. C'est ce qui dit, oh, il ne faut pas être rejeté, il ne faut pas être dégénéré, il ne faut pas être triste. Et ces choses pour lesquelles il semble qu'il n'y a pas d'espoir pour toi, aujourd'hui, il y a de l'espoir pour vous. Tout le monde ici ce soir, vous avez de l'espoir au nom de Jésus. Et cette grâce de Dieu vous pardonne, et vous sauve, et vous régénère, et vous recrée, et vous réconcilie avec le Tout-Puissant. Regardez dans Tite. Chapitre 3 de Tite, le verset 7, Tite 3, verset 11, il déclare, afin que justifiés par sa grâce, ça c'est la grâce de Dieu, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Il dit que la grâce de Dieu nous pardonne et nous justifie. Ça veut dire quoi? Que c'est comme si quelqu'un va à la cour de justice et tout le monde parle contre lui. Les témoins, tout le monde témoigne contre lui. Les juges, les avocats parlent contre lui. Sa conscience parle contre lui. Même son look, sa contenance parle contre lui. Et maintenant, le juge se lève et il dit, regarde ici. Tout le monde est contre toi, mais moi, je suis de ton côté. Ce que le Seigneur dit ceci, c'est quoi? Satan est contre toi. Les démons sont contre toi. Tes voisins sont contre toi. Même ta conscience t'accuse que tu es mauvais, tu es mauvaise, tu es terrible, tu es déformé, tu es souillé et tu iras en enfer. Et Dieu dit, regarde-moi ici, je suis de ton côté. Est-ce que je parle de quelqu'un ce soir, ici, là? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir, ici, ce soir? Tout ce que vous avez commis comme péché auparavant, parce que Jésus est mort pour voir la croix du calvaire, il va vous pardonner tous ces péchés au nom de Jésus. Quel que soit ce qui est en train de vous accuser, qui que ce soit qui vous accuse, le Seigneur dit, il parle à quelqu'un ce soir, le Seigneur dit, il parle à quelqu'un ce soir, je suis de ton côté. Regardez cela. Il dit que, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle.
Regardez dans Hébreux 2, verset 9. Il dit, mais nous voyons Jésus. Hébreux 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé, il dit, dans ta conscience, vous allez voir Jésus ce soir. Il dit, vous allez le voir dans votre vie au nom de Jésus. Mais il dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons, couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il est mort de votre mort. Je dis, il est mort de votre mort. Vous n'allez plus mourir prématurément. Vous n'allez pas mourir spirituellement. Vous n'allez pas mourir en tant que pécheur. La mort du pécheur, que lorsque le monsieur met, on va dire, ah, cet homme, nous savons là où il est parti. Et on va mettre les doigts dans les bouches et commencer par croquer. Non, ce ne sera pas pour vous. Ce ne sera pas votre portion. Ce soir, lorsque vous allez dire, je reçois Jésus, j'accepte Jésus, je fais de Jésus mon Seigneur, mon Sauveur, il a goûté la mort pour tous. Regardez le verset 10. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Je suis parmi eux. Je dis, je fais partie de ce groupe pour faire partie de la gloire beaucoup de fils d'eux, élevant à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Verset 11. Car celui qui sanctifiait ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Celui qui sanctifie, c'est lui qui sanctifie. Nous sommes sanctifiés, nous sommes unis avec lui. Il dit que nous sommes tous un, parce que c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il n'a pas honte de vous. Il dit, voici mon frère, voici ma soeur. Et ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler ici. Et c'est ainsi fait au nom de Jésus. Regardez maintenant dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes 4, 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Lisez-moi ce qui suit là. Et lisez-moi ce qui suit. Si vous faites partie de ces gens, faites-moi savoir ce qui est là. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Ça veut dire quoi? Sur eux tous. Sur eux là-bas. Je dis sur eux là-bas. Je dis sur eux dans l'autre rangée là-bas. Je dis sur eux, à ceux qui sont de l'autre côté. Quelle sorte de grâce? Je demande, quelle sorte de grâce? Grande grâce, c'est pour vous ce soir. Dans 2 Corinthiens 12, nous lisons le verset 9. 2 Corinthiens 12, verset 9. 12-9 dit, il me dit, et il m'a dit, je dis quoi? Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Quel est le défi devant vous? Sa grâce vous suffit. Quel est le problème devant vous? Là, sa grâce vous suffit. Quelle est la chose qui est en train de vous piquer dans votre corps ce soir? La grâce de Dieu vous suffit. Quel est le besoin de votre vie? Sa grâce vous suffit. Quelle est la pauvreté dans votre vie? Qui est dans votre famille? Qui veut vous avaler? Oh, la grâce de Dieu vous suffit ce soir. Ma grâce te suffit. Car ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Il dit que lorsque tu te sens faible, sa puissance va venir pour te soulever. Il dit que tu expérimentes la faiblesse, tu vas voir la puissance parfaite de Dieu ce soir et ça va arriver au nom de Jésus. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur vous a la grâce pour vous, une abondante grâce pour vous, une grâce surabondante pour vous.
une grâce suffisante pour vous, une grande grâce pour vous. La puissance de Dieu est pour vous ce soir. La force de Dieu est pour vous ce soir. La puissance de Dieu est pour vous ce soir. L'autorité de Dieu est sur vous ce soir. Le support de Dieu est pour vous ce soir. L'aide de Dieu est pour vous ce soir. Votre amen est en train de mourir, hein? La capacité divine est pour vous ce soir. Le courage, le courage, le courage pour faire face au futur. Le courage pour vaincre, c'est pour vous ce soir. Et la conviction pour mener une vie victorieuse, vous l'avez reçu ce soir au nom de Jésus. Point numéro 2 à présent, point numéro 2 à présent. Vous vous rappelez, vous, de point numéro 2? C'était quoi? Conquérir les puissants géants à travers le Tout-Puissant. Nous venons dans Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Les enfants d'Israël étaient en train de partir sur la terre promise. C'était une terre où coulait le lait et le miel. Et alors, lorsqu'ils sont venus aux frontières, ils ont envoyé les émissaires. Et ces espions sont partis, sont revenus avec des rapports. Et ils ont fait le rapport à propos des géants. Et à cause de ces géants, ils n'étaient pas en mesure de posséder cette terre promise. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas accepté qu'ils devaient vaincre les géants. Vous savez, en tant que croyant, vrai enfant de Dieu, vous allez sur la montagne, au-dessus de la montagne. Je dis, vous irez au sommet de la montagne. Vous irez au sommet de la montagne et vous allez atteindre votre destination. Parce que la joie est devant vous, l'allégresse est devant vous, le succès est devant vous, la victoire est devant vous, la guérison, la santé est devant vous, la délivrance, la domination devant vous. C'est une terre de où coule le lait, le miel. Ce pourquoi Dieu vous a créé, vous allez le réaliser. Mais vous savez, si vous ne comprenez pas que il y aura des géants sur la voie, si vous les voyez, vous allez commencer par vaciller. Que vais-je faire? Ce soir, vous allez conquérir tout géant de votre vie au nom de Jésus. Nombre, chapitre 14 et 13, j'allais dire, le verset 25, il dit, le verset 25, il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Votre futur est fructueux. La terre promise est fructueuse. Et dès que vous traversez, moi je veux traverser, je dis dès que vous traversez cette terre fructueuse, vous allez l'expérimenter au nom de Jésus. Verset 27, voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyé. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais, ça c'est le problème. Mais, le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, Montons, emparons-nous du pays. Il ne faut pas accepter les mots de découragement. Levons-nous et partons. Il ne faut pas verser des larmes de tristesse. Il ne faut plus le faire. Levons-nous et partons. Ne restez pas derrière. Ne soyez vous asseyez pas par terre dans la poussière. Non, montons. Quelque chose de grand est devant nous. Nous irons de l'avant. Quelque chose de merveilleux devant nous. Nous irons de l'avant.
et quelque chose d'excitant, quelque chose d'intéressant, ce que vous cherchez, ce pourquoi vous êtes créé, ce qui vous a fait sortir de l'Égypte, c'est ce qui est devant vous. La terre qui coule, le lait et le miel, montons. Est-ce que vous êtes prêts? Je demande si vous êtes prêts. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Moi, je serai vainqueur. Moi, je suis capable de vaincre. Les géants ne vont pas vous arrêter. Moi, je suis capable. La maladie ne m'arrêtera pas. Je suis capable. Les mauvaises esprits ne vont pas m'arrêter. Je suis capable. Les démons ne vont pas vous arrêter. Je suis capable. La pénurie, la famine, la pauvreté ne vont pas vous arrêter. Je suis capable. Pas de logement, vous ne serez pas arrêté. Je suis capable. Les ennemis sur le dans la terre, sur le dans le pays, je ne vais pas m'arrêter. Je suis capable. Il dit car nous y serons vainqueurs. Verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent nous ne pouvons pas. Ça c'est leur confession, mais ça ce n'est pas ma confession à moi. Je dis ça ce n'est pas ma confession à moi. Moi je suis capable. Et toi tu es capable aussi. Nous sommes capables. La vie profonde est capable. Ils ont dit, c'est eux qui disent. Nous ne sommes pas en mesure d'aller contre ce peuple. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu. Ils n'ont pas vu leur Dieu, mais ils ont vu. Ils n'ont pas vu celui qui remplace, déplace les montagnes, et ils ont vu. Ils n'ont pas vu celui qui fait des miracles, mais ils ont vu. Et nous avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux. Ils n'étaient pas de nouvelles créatures dans leurs propres yeux. Ils n'étaient pas des soldats dans l'armée de Dieu. Mais à leurs yeux, ils étaient quoi? Ils étaient comme des sauterelles. Ils étaient comme des sauterelles devant eux, des géants. Les géants, ce sont des princes. Et les enfants d'Israël en ce moment, ils les avaient empêchés d'entrer et de posséder la terre promise. Mais regardez ce qu'ils ont dit. Les géants ont empêché les princes et le peuple d'Israël d'aller dans la terre et de la posséder, la terre promise là. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas les géants qui les ont empêchés. La majorité des enfants d'Israël, ils n'ont même pas vu les géants de leurs yeux. C'est seulement les 12 espions qui sont partis, ils sont revenus avec ce rapport. C'est les 10 qui ont dit. Et ils ont dit, les 70 autres n'ont pas vu les géants. Les tribus n'ont pas vu les géants. Toute la multitude n'a pas vu les géants. Mais ils ont seulement eu un rapport. Et ils ont dit, les géants sont là-bas. Vous n'allez pas même les voir. Je dis, vous n'allez même pas les voir. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé avec eux? Numéro un, c'est la peur de l'homme. C'était la peur de ces géants. Ce n'est pas les géants eux-mêmes qui les ont empêchés, mais c'est la peur de ces géants qui les ont empêchés. Numéro un, la peur de l'homme. Numéro deux, l'oubli de sa puissance. Ils ont oublié la puissance de Dieu. Ils ont oublié la force de Dieu. S'ils pouvaient penser à cela, ils vont se rappeler que Pharaon était plus que géant. Les magiciens de l'Égypte étaient plus que des géants. Mais malgré ça, la puissante main de Dieu les a soumis. Les chars de Pharaon, les magiciens, Pharaon lui-même. Mais vous savez, ils ont oublié la puissance de Dieu. À tout moment, vous devez vous rappeler le moment de sa puissance. Lorsque vous venez à un croisé de chemin, vous devez vous rappeler de cela. Lorsque le défi est dans votre vie, rappelez-vous que c'est le moment de sa puissance. Je peux vous dire que vous allez vaincre. Numéro 3, c'était
le focus sur les montagnes. Ils se sont focalisés sur les montagnes. C'était la raison. Ils ne regardaient pas au créateur du ciel et de la terre. Ils ne regardaient pas au créateur des montagnes. Ils ne regardaient pas à celui-là qui est capable d'emporter les montagnes loin de leur chemin. Mais ils se sont focalisés sur les montagnes. Numéro 4. La faiblesse de la pensée. La faiblesse de la pensée. Ils n'étaient pas forts dans leur pensée. Ils n'étaient pas forts dans leur conviction. Ils n'étaient pas forts dans leur foi. Ils n'étaient pas forts. C'était à cause de la faiblesse de leur pensée qu'ils avaient arrêté de partir. Et numéro 5, il dit le manque de foi dans le ministère. Le manque de foi dans le ministère, dans les ministres. Le manque de foi dans dans la multitude. Et ceux-là qui sont les ramassis qui étaient au milieu de lorsque le peuple criait, lorsque le peuple chamaillait, lorsque le peuple disait nous allons retourner en arrière, il faut que nous retournions avec un chef montant et nommons-nous un chef. Ils n'avaient pas de foi dans leur dirigeant. Ils avaient le manque de foi avec les ramassis. Et ce qui suit, ce qui les a troublés, numéro 6, c'est la familiarité avec la manne miraculeuse. Tous les matins, ils prenaient la manne miraculeuse. Et ils s'étaient devenus vraiment tellement familiers ou familières qu'ils ne comprenaient plus rien de ce que Dieu peut faire. Qu'il n'y a pas de nation sur la terre. Il n'y avait pas de peuple sur la terre. Il n'y avait pas de royaume sur la terre. Qui est ainsi soutenu par le pain du ciel tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et toutes les années, pendant 40 ans, et à cause de la familiarité avec la manne, ils ont oublié et tout ce qui s'est passé. Ils ont commencé à crier maintenant, les géants. Non, ce n'est pas le géant qui fait ton problème, c'est la peur. Et numéro 7, c'est la recherche des fautes auprès de Moïse. La recherche des fautes sur Moïse. Ils ont oublié comment Dieu a choisi Moïse pour eux. Et lorsqu'ils ont dit, maintenant ce qu'ils vont faire, ils vont dire, Moïse, ce n'est pas c'est le Moïse qui va toujours Dieu. C'est lui qui dit toujours à Dieu, Moïse, qu'est-ce que le problème? Devant la mer rouge, nous savons que tu peux résoudre cela, toi avec Dieu. Et si nous ne pouvons pas prier, Moïse peut prier. Et parce que Moïse peut prier, nous savons que ce problème va être résolu. Mais ils ont commencé par rechercher des fautes sur Moïse, dans la vie de Moïse. Pourquoi tu nous as amenés ici? Pour que nous mourions dans le désert? Il n'y a petit pas de lieu dans les tombes, des tombes en Égypte pour que nous soyons morts là-bas. Et ils ont commencé par chercher des fautes dans la vie de Moïse. Ça, c'est ce qui a fait qu'ils ont échoué et qu'ils n'ont pas pu hériter. Moi, je vais hériter. Je dis, moi, j'hériterai. Maintenant, il y a des gens, vous posez la question, je vais vous répondre à cette question. Est-ce qu'il y a des géants aujourd'hui? A-t-il des géants aujourd'hui? Oui, il y a des géants. Mais je vais réutiliser les lettres du mot géant pour vous le décrire. Numéro 1, c'est quoi? C'est G. Le G, en anglais, ça c'est le Dieu des nations. Le Dieu des nations. Nous venons dans 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel 17, le verset 4. 1 Samuel 17, le verset 4. Il dit, un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança contre les deux armées. Il se nommait Goliath et il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Nous allons le conquérir. Ce Goliath-là, je dis, nous allons le conquérir. En réalité, vous savez que Goliath, bien qu'on le regardait, on regardait sa taille et qu'on le regardait comme un géant, on le voyait comme un géant. En réalité, regardez d'où il a mis, où est-ce qu'il a mis sa force? Regardez le verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et avec et après l'avoir maudit par ses dieux. Il a maudit par quoi? Par ses dieux. Ça, c'était sa confiance. Ce n'était pas ce lance qui était sa confiance. Ce n'était pas la lance ou l'épée ou le porteur de son arme. Ce sur quoi il se tenait comme géant, c'était ses idoles. Et il a maudit David par ses dieux. Ces géants sont encore là aujourd'hui. Des fois dans le village, des fois des superstitions, des fois c'est des puissances mauvaises, des fois c'est des puissances magiques, des fois c'est des talismans, des fois c'est la sorcellerie, des fois c'est l'idolâtrie. Et ils vont dire, celui-là, j'ai fait le vœu que toi tu ne vas jamais avoir d'enfant dans ta vie. Comment a-t-il fait le vœu? Il ne le dépend de qui que ce soit, il dépend de ses dieux. Nous allons conquérir ses dieux aujourd'hui.
Cette personne a dit que aussi longtemps que je vis, ceci ne va jamais arriver. Je vous dis que cette bonne chose va arriver. Il va vivre pour voir votre promotion. Il va vivre pour voir votre élévation. Regardez, regardez ceci, regardez ce verset 44. Et il ajouta, viens vers moi. Et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Alors, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche. Quelqu'un là-bas et moi je marche. Faut pas courir, faut pas fuir. Moi je viens. Faut pas mettre ta tête dans tes bras. Je ne sais pas ce que je vais faire. Oh, ils sont trop pour moi. Ils vont me détruire. Non. Lève-toi. Regarde-les. Yeux dans les yeux. Cette idole de Baal sera brûlée dans le feu éternel. Il dit, moi je marche. Quelqu'un a dit là-bas, moi je marche. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, quand est-ce que votre miracle va arriver? Quand est-ce que la manifestation de ta puissance dans vos vies va arriver? Il dit aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai. Est-ce qu'il n'avait, il n'avait pas d'épée, mais l'épée de l'Esprit de Dieu dans sa vie était là, et il était plus puissant que Goliath. Je vais t'abattre, je te couperai la tête aujourd'hui, et je donnerai la tête, le cadavre des camps, du camp de Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Il y a un Dieu dans votre église là. Je dis à un Dieu dans votre église, là vous êtes là. Regardez le verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut. Il a couru pour fuir. Mais pourquoi vous fuyez alors? N'avez-vous pas Dieu? N'est-il pas là pour combattre pour vous? Pourquoi vous vous cachez-vous? Sortez de votre cachette. Je dis sortez de votre cachette et courez. Où êtes-vous? Je dis sortez de votre cachette et courez. Enlevez ce manteau de faiblesse, ce manteau de la dépression, ce manteau de pleurs, ce manteau de se mettre dans la cachette et vous cacher. Sortez et vous allez courir. Et il a couru vers l'armée pour rencontrer le Philistin. Et David a mis sa main. Il a mis sa main dans sa gibecière et il prit une pierre et il a frappé le Philistin. Vous allez le frapper. Il a frappé le Philistin sur son front et aussitôt la pierre a pénétré son front et il est tombé. Goliath va tomber. Vos géants vont tomber. Leurs dieux vont tomber. Il tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde, David fut plus fort. Mettez votre nom. Oh, mettez votre nom. David fut plus fort. Ce n'est pas moi. Donne ton nom. Il dit, David fut plus fort. Vous êtes plus fort. Plus que le Philistin et que le Philistin. Il a plus fort avec une fronde et une pierre. Et il a le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. David courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau. Leur propre méchanceté va les détruire. Et il a le sortit, son épée, le tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Et les Philistins, voyant que leur héros était mort, ils ont pris la tangente. Et les enfants d'Israël, les hommes d'Israël et les Judas de Juda poussèrent des cris à l'air
à la montagne, la poussée des Philistins jusqu'à la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Et les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Shaharaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent. Est-ce qu'ils sont là ce soir? L'Israël de Dieu est-il là ce soir? Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes prêts? Le G, c'est leur Dieu. Numéro qui suit? Ça, c'est l'infirmité. Le I, c'est l'infirmité. Ah, je suis ici. Ça, c'est une infirmité. Cette maladie. Je ne peux pas bouger. Je ne peux pas me lever. Je voulais faire ceci. Je voulais aller à l'examen. Toutes les fois qu'il y a examen, j'ai cette infirmité. Vous allez conquérir ce géant ce soir. Regardez le chapitre 5 de Jean. Jean chapitre 5, le géant de l'infirmité. Jean 5, 5. Jean 5, le verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Ça, c'est un géant là. La maladie qu'est là, géant. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri ce soir? Veux-tu être guéri, toi qui m'entends? En ce moment de sa puissance, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, les géants de l'infirmité, ils sont défaits immédiatement. Je dis, les géants de l'infirmité sont défaits. L'homme était guéri. Il a pris son lit et marcha. Quelqu'un là-bas et il marcha. Quelqu'un là-bas et il marcha. La fracture est guérie. Quelqu'un là-bas, vous êtes guéri et vous allez marcher. La paralysie est partie. Vous allez vous lever et vous allez marcher. Et toutes les faiblesses, je ne peux pas me lever, je ne peux pas me courir, je ne peux pas marcher. Vous allez vous lever, vous allez marcher. Vous allez marcher. Et vous allez marcher. Et vous allez marcher. Ce sera ainsi ce soir. Et alors il dit que aussitôt, c'était un jour de sabbat. Ça veut dire que c'était le jour de sa puissance. Le A qui est là, c'est les adversaires. Les adversaires. Les adversaires. Les adversaires. Ça, c'est les géants. Les géants qui se tiennent devant des gens. Toutes les fois que vous faites des plans et vous voulez faire quelque chose, vous planifiez, vous mettez des buts, des objectifs, vous voulez faire ceci, faire cela, de votre accomplissement, vous voyez celui-là, l'adversaire qui se pointe là, et l'adversaire va dire: tu vas où même? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu planifies même? Nous sommes toujours là. Tu crois que tu vas faire le progrès avant le progrès? Non, 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 non. Nous savons. Ce n'est pas que nous pensons, mais nous savons. Je dis, mais toi, tu sais, les géants ne vont pas vous arrêter. Je dis, les géants ne vous arrêteront pas. Regardez ceci. Nous pensons maintenant à 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens 16, 9. 1 Corinthiens 16, verset 9. Il dit: car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Vous savez qu'il y a une porte ouverte devant vous. Les portes d'opportunité sont devant vous. Les portes de progrès. Les portes d'accomplissement. C'est devant vous ce soir. Mais regardez. Et les adversaires. Il dit: une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et qu'est-ce qui suit? Et les adversaires, les géants sont là. Et les adversaires sont nombreux. Mais Dieu merci, vous avez vaincu déjà. Ce jour, j'ai vaincu. Je dis aujourd'hui, j'ai vaincu. 1 Pierre, chapitre 5. Le verset 7, 1 Pierre 5, verset 7. Vous déchargez, vous déchargez. Il dit: déchargez-vous de toutes vos peines sur lui, de tous vos soucis sur lui, car lui-même prend soin de vous. Il ne veut pas vous décevoir, il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde
comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais je ne fais pas partie de ceux qui va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Je les ai vaincus. Le N qui est dans le nom géant, ça peut vous surprendre. Ça veut dire rien. Rien. Je veux acheter quelque chose, il n'y a pas d'argent. Rien. Je veux même acheter l'affiche. L'affiche pour pouvoir remplir, aller à l'examen. Il n'y a pas d'argent. Rien. Je veux aller de ce côté. Je ne connais personne. Il n'y a pas de contact. Et ce n'est pas ce que tu connais, mais celui que tu connais. Rien. Rien. C'est comme un géant devant beaucoup de personnes. Ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas les ressources. Ils manquent de tout. Et il n'y a rien du tout avec eux. Vous savez, vous aurez la provision de Dieu. Le surplus miraculeux sera pour vous. Le N, le zéro de votre vie qui se tient devant vous. Je n'ai rien, je n'ai personne, je n'ai pas de matériel, je n'ai pas d'argent, il n'y a pas de provision. Rien qui se tient devant vous comme géant est vaincu. Luc chapitre 5, le verset 4. Luc 5, 4, il dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Vous allez pêcher. Verset 5, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans cela. Veut dire quoi? Ça, c'est l'impression. Cela leur donne l'impression, la détresse. Cela leur donne la tristesse. Cela les rend les personnes. Regarde le futur. Le futur est complètement noir et sombre. C'est comme s'il n'y a même pas de futur pour moi. Parce que nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Mais à ta parole. Mais à ta parole. En ce moment de ta puissance, je jetterai le filet. Ayant jeté le filet, ils prirent. Il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. La bénédiction qui brise ou bien qui déchire les filets, ce soit pour vous. La percée qui déchire les filets pour vous ce soir. La prospérité qui déchire les filets pour vous ce soir. Là où il n'y avait rien, ce sera rempli de toutes choses. Le géant de rien, le géant de leur Dieu. Les géants de l'infirmité, les géants de l'adversaire, les géants de rien, de la nudité, de rien. Et ce qui suit, c'est la terreur, ils sont terrifiants. Regarde ce qui se passe, regarde les nouvelles que nous avons, ce qui se passe au village, ce qui se passe dans ce quartier, de l'autre quartier, et cette terreur qui leur parvient comme des géants, comme des géants. Et c'est comme, où irons-nous? Qu'est-ce que nous allons faire? Toutes ces terreurs sont emportées ce soir. Regardez Ésaïe 54, le verset 14. Tu seras affermi par la justice. Banni l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. Une nouvelle possibilité est venue. Un nouveau jour est venu. Tu seras éloigné de leurs oppressions au nom de Jésus. Tu seras affermi par la justice. Banni l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. Les gens ne vont pas vous arrêter. La crainte des gens ne va pas vous arrêter. Et il continue. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Et la frayeur n'approchera pas de toi. Verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Jérémie 14. Jérémie
chapitre 14, le verset 20. Jérémie 14, verset 20. L'Éternel, Jérémie 14 et le verset 20. Il dit, et l'Éternel, nous reconnaissons contre méchanceté l'iniquité de nos pères. Et nous avons péché contre toi. Jérémie 15, j'allais dire le verset 20, autant pour moi. Il dit, le verset 20, et je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Et ils te feront la guerre, mais ne te convaincront pas. Ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Vous serez délivrés au nom de Jésus. Je te sauverai de la main des violents. Il y a les dieux de ce monde, les infirmités, l'adversité, la vie de rien, les terreurs et le S pour les tempêtes de la vie, les empêchements venant des gens. Et ils ne peuvent sauter, ils vont galoper, ils vont dire j'irai là-bas, je vais la voir. Ils sont excités. Soudainement, la tempête se lève. Et cette tempête devient comme un géant, se tenant devant eux, les empêchant d'aller dans leur possession. Ils vont dire, oh, ils sont encore venus. Ils ont encore commencé. Non, vous allez vaincre. Je dis, toi, tu vas vaincre. Marc, chapitre 4. Marc, chapitre 4, 35. Marc 4, 35. Il dit que ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, il vous dit, passons à l'autre bord. Vous irez à l'autre bord. Vous avez demeuré trop longtemps en ce lieu. Maintenant, le jour de progrès est venu. Le jour de succès est venu. Le jour de l'accomplissement est venu. Le jour de la victoire est venu. Le jour de la domination est venu. Passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Regardez 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dit, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Vous n'allez pas périr, non. Je vous ai dit que vous serez des pêcheurs d'hommes, vous n'allez pas périr. Il a dit que vous allez régner sur les 12 tribus d'Israël, vous n'allez pas périr. Il a dit que voici mes frères, mes soeurs et mes mères et mes frères, mes pères qui font la volonté de Dieu, ils ne vont pas périr. Il a dit, je m'en vais préparer une place pour vous. Lorsque je m'en serai allé et que je prépare la place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, là vous serez aussi. Comment est-ce que vous pouvez périr? Qui est-ce qui vous dit ce mensonge que vous allez périr? Qui est-ce qui vous trompe que vous allez périr? Vous n'allez pas périr. Je dis, vous ne périrez pas. Verset 39, s'étant réveillé, il va se réveiller pour vous. Il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Dans votre vie, il y aura un grand calme. Dans votre âme, il y aura un grand calme. Ce géant est défait. Le géant de la tempête des tourbillons est conquéré dans votre vie au nom de Jésus. Psaume 107. Psaume 107 et le verset 29. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Les géants de tourbillon, de tempête de votre vie vont être rendu calme. Tout est calme dans votre vie ce soir. Le verset 20, il dit, il envoya sa parole. Il envoie la parole à qui? Il envoya sa parole et il les guérit. Je peux vous voir déjà. Il les guérit. Je vois les guérir ce soir. Il les guérit.
Et les douleurs, les maladies, tout ça, là, ils sont guéris. Je vois la personne qui dit, je ne sais même pas si je peux sortir, je ne sais même pas si je peux venir aujourd'hui ici. Et il est guéri. Il envoie sa parole et il les guérit. Et il les fit échapper de la fosse. Les géants sont conquis ce soir. Vous allez aller de l'avant. Tous ceux qui essaient de vous arrêter de ne pas le passer, les géants sont conquéris ce soir. Et nous disons, crier avec Jacob et avec Caleb pour dire, montons et emparons-nous. Tout le monde a crié, montons et emparons-nous, car nous y serons vainqueurs. Dites-le, j'irai aujourd'hui. Même avant que la semaine ne finisse, je vais accomplir quelque chose. Je dis, avant que la semaine ne finisse, vous allez accomplir quelque chose. Vous y serez vainqueurs. Où êtes-vous? Vous serez vainqueurs. Vous serez vainqueurs. Tous les géants sont emportés loin de votre chemin au nom de Jésus. Point numéro 3 maintenant. Confirmez les dons sans mesure du Dieu Tout-Puissant. Ce soir, pour foi, toi, mon frère, il y a la confirmation. Ma soeur, ma fille, il y a la confirmation ce soir. Jérémie, chapitre 32, le verset 14, 17. Jérémie 32, le verset 17. Vous êtes conquérants. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Dans ma vie, rien n'est étonnant de sa part. Tous ces défis devant vous, il n'y a rien qui lui soit étonnant. Toutes ces maladies, les infirmités, il n'y a rien qui lui soit étonnant. Il va résoudre tout le problème ce soir. Verset 18. Tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération. Les millièmes générations sont là ce soir. Tu montres ta millième génération à qui? Il bénit tout le monde ce soir. Comment est-ce qu'il peut vous dépasser? C'est impossible. Il va bénir tout le monde ce soir. Il ne peut pas vous dépasser. Il guérit tout le monde ce soir. Tous les malades sont guéris ce soir. Comment peut-il vous dépasser? Il est en train de démontrer son amour à tout le monde ce soir. Tous les milliers qui sont là ce soir, comment peut-il vous dépasser? Il démontre sa miséricorde à la millième génération. Et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es grand conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Il vous donnera quelque chose avant de votre départ. Ésaïe 55, le verset 6, il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À lui, notre Dieu, il y a la miséricorde ce soir. Miséricorde de ce Dieu, miséricorde ce soir, la grâce de Dieu ce soir, la bonté de Dieu ce soir. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent sur vous. Comme la pluie descend sur vous, comme la neige descend des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé le fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, ainsi en est-il de ma promesse, ainsi en est-il de ma force, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera point à moi sans effet. Elle accomplira. Dans votre vie, elle accomplira.
Elle va exécuter ma volonté et accomplira mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie. Ce soir, vous rentrez avec joie. Tous les jours de ce mois, tous les jours de cette semaine, tous les mois de cette année, vous sortirez avec joie. Et vous serez conduit en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront les mains pour vous. Au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès. Et au lieu de la ronce, croîtra le mythe. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Les dons de Dieu vous sont disponibles ce soir. Son offre est l'offre de sa puissance non limitée est disponible pour vous ce soir. Christ a payé le prix. Christ a versé son sang afin que vous ayez le don du salut, le plein salut, le don de la justice, le don de la sanctification, le don de la guérison, le don de la santé, le don de la puissance d'en haut, la puissance d'en haut sur vous ce soir. La puissance pour vous ce soir, le baptême dans la puissance. Tout ce qui est terrible chose dans votre vie sera brûlé ce soir au nom de Jésus. La délivrance complète. Pas de délivrance partielle ce soir. Oh, j'ai eu un peu. Non, tu ne vas pas avoir ce soir un peu. Tu vas avoir la totalité de la délivrance au nom de Jésus. La domination, l'autorité, la provision suffisante, la réponse aux prières. Vous allez avoir une vie plus élargie, une vie plus riche, une vie plus profonde. J'entendais parler de la vie profonde, vie profonde, vie profonde, vie profonde. Mais je ne sais pas quand est-ce que cette vie sera, comment la vie sera élevée, large, comment elle sera grande et profonde. Ce soir, c'est ce soir. Je dis ce soir, quelqu'un là-bas, vous allez avoir une vie plus profonde, une vie plus élargie, une vie plus élevée au nom de Jésus. Une vie plus élevée, une vie plus élevée, une vie plus grande. Toutes ces choses sont disponibles pour vous ce soir. Nommez ce que vous voulez. L'allégresse c'est pour vous, la guérison c'est pour vous, la sainteté c'est pour vous, le ciel c'est pour vous, les héritages c'est pour vous. Parce que ce soir, vous savez, nous sommes venus au Dieu Tout-Puissant. Je dis ce soir, vous êtes venus au Dieu Tout-Puissant. Toute prière que vous allez prier ce soir, toutes ces prières seront exaucées. Tout ce que vous allez ouvrir votre bouche pour dire à Dieu ce soir, c'est fait, au nom de Jésus. Éphésiens 3:20. Oh, à celui qui peut. Est-ce que notre Dieu est capable de faire? Dieu est-il capable de faire ce soir? Il va le faire. Je dis, va faire. Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je vais retourner encore pour le lit. Parce que ceci-là, c'est pour moi seul. Je dis, ceci, c'est pour moi seul. Je dis, ceci, c'est pour moi seul. Oh, à celui qui peut faire. Oh, à celui qui peut faire. Il peut faire. Par la puissance qui agit en moi infiniment, au-delà de ce que je demande, au-delà de ce que je pense, selon sa puissance qui agit en moi. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Et que quelqu'un crie Amen. Amen est rentré dans votre cœur. Amen à pénétrer votre cœur. Voici le moment de votre transformation, le moment de votre puissance, le moment de votre puissance. Je vois Amen écrit sur votre front. Je vois Amen écrit sur votre voix. La voix. Amen. Je dis Amen. Lorsque vous marchez, 1, 2, 1, 2. Amen. 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 Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Levez-vous, levez-vous, parlez à Dieu. Amen. Amen pour vous. Amen pour vous. Voici le moment. Voici le moment de sa puissance. Le moment de sa puissance. Le moment de sa force. Le moment de sa provision. Le moment de votre miracle.
Voilà ce soir, ce soir, ce soir. Il va le faire ce soir. Il va le faire ce soir. Il va le faire ce soir. Voici votre moment, votre moment, votre moment. Ce moment ne va pas vous dépasser. Il va pardonner vos péchés. Ce moment ne va pas vous dépasser. Il va briser toutes les chaînes de votre vie. Ce moment ne vous passera pas. Il va guérir vos maladies. Il va pourvoir vos besoins. Tous ces géants sont conquis. Et les dieux de ce pays, les dieux de ce siècle, les dieux de cette ville, ils sont tous emportés ce soir. Ils sont tous abaissés ce soir. Il y a un amen dans votre vie. Un amen dans votre vie. Ainsi soit-il. Amen, ainsi soit-il. Tout ce que vous confessez ce soir, il va le faire. Il va pardonner. Quel que soit le péché que vous allez confesser, il va pardonner. Tout ce que vous allez confesser ce soir, il va pardonner. C'est le moment de votre puissance. C'est le moment de sa puissance. C'est le moment de sa force. Dis-le lui. Le moment de votre joie. Le moment de votre allégresse. Le moment de votre héritage. Le temps est venu pour votre délivrance. Le temps de votre délivrance, de votre domination. Parlez à Dieu. Vous l'avez ce soir. Voici le moment. Cela ne vous passera pas dessus. Cela ne vous dépassera pas. Vous n'allez pas rater ça. La joie, l'allégresse, la gloire, la grâce, le don, la bonté, la guérison, la délivrance. Cela ne vous dépassera pas. Voici le moment. Voici votre moment. Le moment de sa puissance. Le moment de sa puissance. Il va répondre à toutes les prières ce soir. Il va exaucer toutes les prières ce soir. Il va exaucer toutes les prières ce soir. Il va lever vos cœurs. Il va changer vos vies. Il va vous transformer complètement. Voici le moment. Le moment de votre victoire. Le moment de votre victoire. Les géants vont tomber. Les géants vont tomber. Les géants sont conquis ce soir. Tous ces dieux, tous ces idoles, tous ces magiciens, ils vont tomber devant vous ce soir. Et les géants de l'infirmité, les géants de la maladie, les géants des montagnes de longue date, tout est parti ce soir. Ils sont partis. Vous allez marcher sur ces choses. Vous allez les piétiner. La victoire pour moi. La victoire pour moi. La victoire pour moi. La victoire. La victoire. Le succès. L'abondance. La joie. Vous allez conquérir ce soir. Vous allez conquérir ce soir. Vous allez conquérir ce soir. Il est là. La victoire est là. La victoire est là. Près de vous. Tendez les mains, recevez. Tendez les mains, recevez. Il vous donne ce soir. Le succès, toutes ces choses qui se tenaient devant vous, sont enlevées ce soir. Enlevées ce soir. Les adversaires sont conquis. Les adversaires sont détruits. Les portes ouvertes devant vous. Les portes de prospérité devant vous. Les portes d'opportunité. Les portes de progrès devant vous. Maintenant, vous pouvez aller de l'avant. Vous pouvez aller de l'avant maintenant. Vous pouvez vivre et vivre au-dessus de cette puissance des ténèbres. Vous pouvez vous lever maintenant et marcher. Vous pouvez ouvrir vos yeux et voir. Maintenant, vous savez tout l'héritage du ciel pourvu pour vous. Et il dit, lève-toi et marche. Lève-toi et réussis. Lève-toi et fais de progrès. Lève-toi et déplace les montagnes. Dis à cette montagne. Ôte-toi de là. Et c'est fait. Dis-le lui. Toutes les prières que vous faites ce soir sont exaucées. Toute la proclamation que nous faisons ce soir ici est révélée, est accomplie. Les défis, nous sommes contre eux ce soir. Ils sont tous détruits. La puissance de leur Dieu, l'autorité de leur Dieu, la magie de leur talisman, ce soir, c'est ce soir. Leur gris-gris n'aura plus aucun pouvoir sur vous.
Tout s'est détruit. Tout est détruit. Tout est détruit. L'infirmité est partie. L'impotence est partie. C'est parti. C'est parti. Maintenant vous êtes complet. Maintenant vous êtes complet. Maintenant vous êtes complet. Tous les adversaires devant vous, contre votre progrès, les adversaires vous empêchant, ils viennent dans le jour, ils viennent dans le rêve, ils viennent à travers quelqu'un, ils viennent à travers par eux-mêmes, ils viennent directement comme un ennemi. Et vous vous tenez ce soir debout comme un militant, soldat de la croix, et tout ce que vous allez dire à ses adversaires ce soir, ils sont défaits, conquis complètement ce soir. Peu importe la longueur de jour qu'a tenu la maladie, ce soir, elle partira. 40 ans d'infirmité, ça va partir ce soir. 60 ans d'infirmité, ce sera fait ce soir. Et la vie de manquement, la vie de rien, la vie de manquement, la vie de zéro, je n'ai rien, ma poche est vide, je n'ai rien dans ma main, je ne vois rien, je ne garde rien, tout est vide, tout est vacant. Ce soir, c'est le moment de la provision. Ce géant de rien et de zéro est détruit ce soir. Détruit ce soir. Annulé. Détruit. Une seule pierre parmi les cinq pierres va faire terrasser le Goliath de votre vie. Une prière ce soir va terrasser tous ces géants de votre vie. Levez-vous, marchez. Laissez les peurs, les craintes derrière vous. Laissez la petitesse de votre foi derrière vous. Laissez le manque de foi derrière vous. Et comprenez que maintenant, avec la puissance du Dieu Tout-Puissant, vous allez de l'avant, vous allez de l'avant, vous allez de l'avant. Et vous allez vaincre. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Sûrement, sûrement, sûrement. Il est mon Dieu. Sûrement. Certainement, à travers lui, je vais vaincre. Sûrement, à travers lui, je vais vaincre. Vous allez vaincre ce soir sans aucune ombre de doute. Voici votre jour. Voici votre moment. Le moment de sa puissance. Le moment de sa force. La victoire pour ce soir. La domination pour ce soir. Le salut pour ce soir. La sanctification pour ce soir. La sainteté pour ce soir. La puissance ce soir. La puissance de feu. La puissance de feu ce soir. Qui va brûler tout ce qui est paille de votre vie. Le moment de sa force. Ça se produit. Ça se produit là déjà. Ça se produit là déjà. La tristesse est partie. La dépression a disparu. L'esprit de suicide est envoyé loin de vous. Libre. Libre. Vous êtes victorieux ce soir. Victorieux ce soir. Vous avez la domination ce soir. Vous avez la puissance non conquérante ce soir. Toutes les prières faites ce soir sont exaucées. Dites-le lui. Les promesses que vous réclamez ce soir, c'est donné, dis-le-lui. Les décrets que vous faites ce soir, c'est ainsi confirmé, faites-le, dites-le. Voici votre jour. Faut pas rater cette opportunité, voici votre jour. Ne ratez pas l'opportunité. Voici votre moment. Le moment de la manifestation. Le moment de miracle, c'est le moment de progrès, c'est votre heure, réclamez ça, tenez-vous dessus, croyez cela, c'est fait,
Vous sentez la culpabilité du péché là-bas, dites-le lui. La grâce est disponible ce soir ici. L'abondante grâce est là ce soir. La grâce suffisante est là ce soir. La grâce surabondante est là ce soir. Il pardonne. Il sauve. Il réconcilie. Il réconcilie les fils au Dieu. Il nous rend capables. Et il nous donne le pouvoir d'aller et de ne plus pécher. Il est là ce soir. La maladie ne va pas demeurer là. La maladie ne restera pas là. L'infirmité ne restera pas là. La pauvreté ne restera pas là. La stérilité ne restera pas là. Ne restera pas là. Ce que vous dites ce soir, que vous réclamez de la part de Dieu, toutes les prières ce soir sont exaucées. Acceptez la réponse. Croyez en la réponse. Confessez la réponse. Et vous verrez la manifestation. Le don de Dieu, l'abondante don. Les dons de Dieu, la suffisance. Les dons de Dieu, plus grand que vos besoins, disponibles ce soir. Vous possédez ce soir. Tenez-vous à cela ce soir. Quelque chose que vous demandez de la part de l'Éternel, tout ce que vous demandez à Dieu ce soir, cela vous est accordé gratuitement. Accordé complètement. Accordé avec suffisance. Complétez cela ce soir. Complètement ce soir. Voici le moment. Voici l'heure de sa puissance, le moment de sa force. Acceptez que c'est fait. Croyez que c'est fait. Tenez ferme. Tenez ferme. La confiance que vous avez au Dieu Tout-Puissant, n'abandonnez jamais. Tenez fermement. C'est fait. Tenez ça fermement. C'est fait. La réponse est venue. La manifestation dans votre vie, les miracles dans votre vie, le surnaturel dans votre vie, comptez que cela est fait. Sachez que c'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Remercie-le. Loue-le. Aie une confiance qui ne vacille point. C'est fait. Il y a un amen maintenant dans votre vie. Amen dans votre cœur. Amen dans votre prière. Le Seigneur vous a exaucé. Le Seigneur vous a exaucé. Le Seigneur vous a exaucé. Amen. Dans votre cœur, amen. Sur votre voix, amen. Dans votre famille, amen. Il a enlevé tous les gens de votre vie, amen.
La promesse est accomplie. Le miracle est opéré. La réponse a été donnée. Donnez-moi un amen que vous allez emporter chez vous. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Levez, levez les mains victorieuses. Les mains de la domination. Les mains de la victoire. Les mains du succès. Tout ce que ces mains vont toucher, ce sera la prospérité. Tout ce que ces mains vont toucher, c'est pour chasser tous les tyrans. Vous irez sur la terre promise. Je vois la brillance sur votre visage. Je vois la joie sur votre visage. Je vois le visage des accomplisseurs. Je vois le visage de ceux qui auront le succès. Je me réjouis avec vous. À partir de ce moment de sa puissance, tout ce qui est dans votre vie, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Gardez les mains levées, Père, au nom de Jésus. Nous te bénissons pour ce jour glorieux. Le jour et le moment, l'heure de ta puissance et de ta force. Tous ceux qui sont là ce soir, toutes les prières qu'ils ont faites, donne un amen depuis le ciel pour eux, au nom de Jésus. Père, à tout frère ici, à toute sœur ici, à tout garçon, toute fille ici, que les anges leur donnent un amen à leur prière. Seigneur, je prie, toutes les puissances des dieux, des païens, sont brisées aujourd'hui au nom de Jésus. L'infirmité, l'impotence, les maladies, les faiblesses, les attaques démoniaques, sortez au nom de Jésus. Les maladies incurables, les maladies incurables, nous les rejetons ce soir. En ce moment de sa puissance, soyez guéris au nom de Jésus. Les problèmes de cerveau et la folie dans la famille, les problèmes psychologiques, soyez délivrés au nom de Jésus. Seigneur, je prie, tous les adversaires, les ennemis qui suivaient qui que ce soit ici, ils ne vont pas accomplir, ils n'ont pas pu accomplir, ils ne peuvent pas faire de progrès, ils ne peuvent pas faire de progrès. Les adversaires, vous êtes conquis au nom de Jésus. Seigneur, nous prions. Cet état de ne rien avoir, pas de travail, pas d'enfant, pas de mari, pas de femme, pas rien, pas de prospérité, rien. Et cette vie de rien, de zéro, de jour en jour, qui est comme ce géant, Seigneur, je prie, détruis le zéro de l'avion de Jésus. La provision abondante, vous arrivez à prendre soin de votre vie, pour prendre soin de votre famille, de votre vie, prendre soin de vos enfants, de vivre une vie heureuse. Seigneur, je prie, la provision abondante dans toute la vie au nom de Jésus. La provision divine, la prospérité divine, le surplus, la suffisance dans votre vie au nom de Jésus. Seigneur, je prie que les géants de la terreur, les géants de la frayeur, les géants du trouble, les géants des épreuves, les géants du monsieur terrible, de madame terrible qui court après eux, monsieur terrible, je t'ordonne, sors de la vie au nom de Jésus. Et Seigneur, je prie pour tout enfant de Dieu ici ce soir. N'importe quelle forme de peur qui vous rentre, qui vous retient pas derrière,
Je détruis cette peur au nom de Jésus. Seigneur, toutes les tempêtes de leur vie, mon frère là-bas, ma soeur là-bas, mon enfant, ma fille, les tempêtes, soyez calmés au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, ouvre les écluses des cieux sur tout le monde ici ce soir. Tout le monde, sans exception, ouvre les écluses des cieux sur eux. Déverse ta bénédiction. Bénédiction, déverse-les sur eux. Provision, déverse-les. Salut, déverse ça. Victoire, déverse ça. Oh Seigneur, la percée, déverse ça. Les témoignages là-bas. Oh Seigneur, je prie en ce moment que cela soit le moment de détour, de transformation de leur vie. C'est fait. C'est confirmé. Confirme-le dans toutes les vies au nom de Jésus. Et accorde à chaque personne ce soir un témoignage. Merci Seigneur parce que nous savons que c'est arrivé. Merci parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Est-ce qu'il y a un amen là-bas que je veux entendre? Amen sur la voie. Amen sur la voie. Amen dans le jour comme de nuit. Amen comme amen de jour. Amen de nuit. Amen du ciel sur votre vie.